ouais, vite, tu mets, vite. Mais quoi, vite, quoi? À situer, là. Mais ouais, mais situer, je peux pas te laisser situer, là. Ah, ça va commencer, là. Quoi? Ben, les affaires, les choses, ben, comment t'appelles ça, les bloopers. Ben oui, mais dis-les. Ben, ça n'est une là. Non, comment ça se fait, ça s'ouvre pas, c'est une supposé s'ouvrir. Ben, justement, c'est ça, un blooper, elle s'ouvre pas. Ben, toi, là, ferme-la, hein. Ben, écoute, mais tu la fermes ou je l'ouvre? Non, elle ouvre-la, puis lui, ferme-la. Ah. Bon, bon, ça va être bon. Mais ben, c'est même pas ouvert encore, là. Je fais le sang, ça va être bon, je fais le sang. Ah, oui, ça, non. Les cratons, je t'ai apporté des croquettes de poulet à poissonner, OK? Si tu dans ça à tes ravisseurs, ils vont être ravis. Ris pas de même, je t'ai compté dessus, sinon. Bon. OK, excusez-moi. Écoute, Lison, là, je t'avertis, j'ai maquillé mon char en poulet dehors, sors en courant et saute dans la valise, OK? Ça marchera pas. Ils sont armés. Écoute, Lison, mon char est parqué dehors en dos, fait que sors en courant et saute dans la valise. Je savais que ça allait. Écoute, disons, mon cher, par cadeau. Hein? Qu'est-ce que ça va dire des croquettes de poulet? Oh, mon Dieu, voulez-vous d'autres frites après vos patates? Tu fais là, innocent, bien Père Noël. Je suis pas bien Père Noël, je suis habillé à Caporal Sanders, mais... oui, mais on est dans un wack d'eau. Puis il y avait là d'aller marrer d'ailleurs, des restaurants, là, quand il y a l'amiral Wenders. Alors, qu'est-ce qu'ils ont chavalé des croquettes de poulet empoisonnées? Si tu donnes ça à tes ravisseurs, ils vont être ravis. Arrête de rire demain, là, ça compterait plus, bon. Écoute, disons, je suis parké en double devant le restaurant, mon char est maquillé en gros poulet, je sors en courant et je saute dans la valise, OK? Ça marchera pas! Ils sont armés, ils vont vous descendre tout de suite. Ah oui? On va laisser faire d'abord. Vous êtes-vous déjà demandé comment on faisait la petite vie? Au début de la journée d'un enregistrement de la petite vie, avant que les comédiens arrivent au studio vers 9h, l'équipe technique est au travail depuis déjà un bon moment. J'ai arrêté d'improviser cette semaine, j'apprends les textes. Je sais exactement les jokes qui sont là. Sinon, je l'improvisais tout le temps. Les jokes étaient bonnes, mais c'était moins bon que ce qui était écrit. 9h30, toute l'équipe et les comédiens s'amènent sur le plateau pour la première répétition dans le décor, sous l'œil du réalisateur. Ça va s'ouvrir, non, mais... Oui, ça va ouvrir, là, regarde, regarde, tu l'as fait. C'est ça, pour ouvrir les portes, c'est ça, je veux savoir. Oui. La patate, comme vous dites, sac de patates. Les patates sont en mille miettes. Ben oui, puis comment tu penses qu'ils font ça, les chips, les compagnies de chips? Ah, oui, OK, je vous place. Pendant que tout le monde se déplace dans chaque décor, une scène dans la cuisine, une deuxième dans l'entrée, ainsi de suite, question de s'assurer que tout fonctionne bien, la metteur en scène donne ses dernières indications aux comédiens. Oui. 4 heures plus tard, on s'affaire toujours sur le plateau. Après le dîner, on prépare les caméras, on installe les accessoires, sans oublier les effets spéciaux. Il faut maintenant vérifier les plans de caméra, le déplacement des comédiens, l'éclairage et le son. Tout le monde est à son poste pour la deuxième répétition. Je sais pas qu'on est tanné de vous voir. C'est pas vous autres qui nous fatiguez, c'est votre présence. Je sais pas comment dire. Ça tombe. Aïe, ça fait mal. Non. Des patins. Non. Quoi? Ah, patins, excuse-moi, OK. Oh, des patins. Hey, quoi? Non, c'est correct, ça va. Mais cette fois, c'est... Ça fait dur, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus rien. C'est comme... Oui, OK, c'est là. Non, de l'autre bord. Hein, ben voyons. OK, c'est ici. Attends, donc. Hein? Ah, ben... Ça fait-tu longtemps que tu l'as, cette fois-là? Une dizaine d'années, à peu près. Je l'ai eu en bonus avec ma vésicule. Une quinzaine, une trentaine d'années. 50. Combien je dis? Monaco! Tout le monde est là! Attends, ça va être assez, là, mademoiselle. J'ai où? Allô, mon petit pote! Maman! C'est maman! Maman!
C'est moment, moment! C'est moment! Moment! C'est moment! quand quel mot tu vas t'arrêter? En tout cas. Oui? Ah, ben, excuse-moi. J'ai été distraite avec mes accessoires. C'est la première fois que je me rends. Là, moi, dans une prochaine vie, m'encore payer pour celle que. Pour la vie que je suis là, là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, pas moi. Ben oui, c'est pas grave, c'est juste un souvenir de ma mère, tu sais, ouais. Si. Ben oui, mais tu auras qu'à l'oublier. Ben oui, c'est ça, hein. Et... Syncope! Syncope! Je préfère une syncope, mesdames et messieurs! Oh, mon Dieu! Oh, excuse-moi, ta belle... C'est froid, hein? Excuse-moi! Oh, y'a rien là! Excuse-moi, oh, ta belle blouse! Y'a rien là, voyons! Oh, ben, je crois que non, y'a rien là! Ici, on parle moins! Dis-moi quelque chose. On reprend chacune des scènes 3 ou 4 fois pour que tout le monde s'habitue au rythme rapide de l'émission. Devant le public, l'enregistrement devra se faire de la façon la plus efficace. 2, zoom out. C'est ça. C'est beau comme ça. Et on s'en va au commercial.